tout le monde est installé, tu démarres quand tu le sens. D'accord. Eh bien, bonjour à tous. Alors, je vais vous lire quelques petites phrases, il va falloir être patient. Voilà. L'article 21-22-8 du Code général des collectivités territoriales dispose que le conseiller le plus âgé de l'Assemblée préside la séance du conseil municipal d'installation jusqu'à l'élection du maire. Donc tout le monde a bien compris que c'était moi la plus âgée. J'ai donc l'honneur de présider le début de ce premier conseil municipal d'installation de la nouvelle mandature. Je déclare la séance ouverte. Alors, je rappelle que les règles dérogatoires liées à la crise sanitaire relative au conseil municipal sont toujours applicables jusqu'au 31 juillet 2022. Par conséquent, le quorum est toujours fixé à un tiers des membres présents, c'est-à-dire 14 pour la ville de Mantes-la-Jolie. Un élu peut disposer de deux pouvoirs. Avant de passer à l'élection du maire, j'aimerais faire quelques petits rappels spécifiques à ce conseil municipal d'installation. Les élus du conseil municipal ont été convoqués dans les formes et délais prévus par l'article L2121-7 et L2121-12 du CGCT. L'ordre du jour est principalement consacré à l'installation des conseillers municipaux, l'élection du maire, la fixation du nombre d'adjoints et à leur élection. 11 points supplémentaires dont vous avez pu prendre connaissance dans le livret qui vous a été remis à l'appui de la convocation ont également été inscrits, comme le permet la loi, dans un souci de bonne administration. À cet égard, je vous informe que la délibération numéro 5... Alors, c'est la 4 ? Merci beaucoup pour la rectification. Donc, que la délibération numéro 4 relative aux indemnités des élus et la délibération numéro 8 relative aux commissions municipales, création et désignation des membres ont fait l'objet de précisions. C'est la raison pour laquelle elles sont remises sur table. Aussi, je vous invite à procéder à un vote à main levée afin d'accepter ce dépôt sur table. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Mais c'est parfait tout ça. Conformément à l'article L2121-5 du CGCT, l'Assemblée doit désigner un secrétaire de séance et je vous propose de désigner pour cette fonction alors Madame Doraz et Monsieur Bernard Méry. Je vous rappelle les résultats constatés lors du procès-verbal de l'élection municipale et communautaire du 15 mai 2022. Le nombre de suffrages exprimés étant de 9430, la majorité absolue est acquise à 4716 voix pour la liste « Un nouveau cap pour Mantes-la-Jolie », représentée par M. Cognier. La liste « Un nouveau cap pour Mantes-la-Jolie » a donc gagné l'élection municipale au premier tour. À ce sujet, je vais vous lire quand même quelques petites phrases. Ça fait, voilà. La liste conduite par Raphaël Cognier a été élue dès le premier tour avec plus de 51% des voix,
avec un taux de participation conforme à celui de l'élection municipale de 2014. C'est donc un vrai engouement démocratique. Je suis très heureuse et très honorée, pardon, excusez-moi, mais je suis un peu émue, de faire partie de cette équipe. C'est un nouveau cap pour notre ville que nous attendions tous depuis de nombreuses années. C'est l'aboutissement heureux d'une séquence malheureuse débutée en septembre dernier, où notre ville a connu, bien malgré nous et notre équipe, la division et la violence. Je salue la dignité et le courage de notre maire élu, Raphaël Cogné, qui a subi durant cette période tant de haine. Je suis heureuse de me retrouver dans ce gymnase où nous nous trouvions en novembre dernier pour soutenir notre maire et la démocratie. Bon courage, monsieur le maire. Bien, donc nous avons obtenu 34 sièges sur 43 au sein du conseil municipal. Et nous avons obtenu 11 sièges sur 13 au sein du conseil communautaire de la CU GPSEO. Je déclare donc installés immédiatement dans leur fonction de conseillers municipaux les élus suivants, ce qui me permet dans le même temps de procéder à l'appel. Raphaël Cogné. Edwige Hervieux. Ibrahima Diop. Jamila El Belaj. Albert Percy. Nathalie Auger. Karim Boursali. Nicole Conqui. Fabien Corbineau. Clara Berman. Michael Borg. Emmanuela Doraz. Ribert Cubilé. Nadine Wadou. D'accord. Marc Dolinski. Marie-Claude Berthelot qui m'a donné son pouvoir. Olivier Barbier. Graziella Devin. Rachid Haïf. Anita Amoa. Mariano Lançon. Ajar Moustakil. Bernard Méry. Amélie Dacosta Rosa. Armando Lopez. Fatimata Camara. Moussa Keta.
Nuria Osadanir, Florent Gavarin, Lila Amri, Dominique Ebiou, Madeleine Garnier, Altaf Givrej, Irène Leblon, Jean-Luc Santini, Carole Philippe, Monsieur Sidi Elhammer a donné pouvoir à Monsieur Santini, Christelle Dubois, Elvis Lefebvre, Ayette Morillon, Amadou Taladaf, Guillaume Kevarek, et on va terminer avec Audrey Allier. Donc, félicitations pour cette fonction qui nous honore et nous oblige. Et nous allons maintenant pouvoir procéder à l'élection du maire. Alors, il m'incombe désormais de vous donner lecture des articles L2122-7 et L2122-10 du CGCT donnant précision sur les modalités d'élection du maire. L'article L2122-7. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. L'article L2122-10. Le maire et les adjoints sont élus pour la même durée que le conseil municipal. Je fais appel aux candidatures parmi les conseillers municipaux. Qui se porte candidat à la fonction de maire ? Merci, Monsieur Santini. Mesdames et Messieurs, les Mantaises et les Mantais ont voté. La démocratie s'est exprimée. Nous remercions les 2899 Mantais qui ont voté pour la liste Mantuni pour l'avenir. Nous remercions aussi l'ensemble des services municipaux qui ont organisé ce scrutin, mais aussi qui nous ont aidés à maintenir les services aux Mantais, voire les améliorer depuis le début de l'année. Lors de ce conseil municipal, nous ne participerons pas au vote, ni pour l'élection du maire, ni pour les adjointes et les adjoints. Nous resterons au sein de cette assemblée, une opposition constructive mais vigilante. Je vous remercie. Monsieur Cognier. Voilà. Donc il y a un candidat, c'est Monsieur Raphaël Cognier. Donc nous allons pouvoir passer au vote et pour m'assister lors du dépouillement, je vous invite à désigner deux assesseurs. Je vous propose de désigner pour ces fonctions Madame Clara Bergman et Monsieur Bernard Méry. Y a-t-il des objections ? Apparemment, non. Alors, nous avons des bulletins. Voilà, tu vois. Non, c'est même pas. Alors, si on a changé quelque chose. C'est ça. C'est bien ça. Hein. Voilà. Donc, vos bulletins de vote sont sur les tables.
Madame Berman, qui compte l'urne qui fera le tour. L'urne, elle est à quel endroit ? Elle est là-bas. Elle est à côté de Clara. Clara. Voilà. Elle est bien vide, l'urne. On est obligé de l'ouvrir. Voilà. Merci. Attends, où est mon bulletin ? Putain, c'est un bulletin vierge. Vous pouvez commencer au bout de la table. Ah, il faut l'écrire. Et je repars avec ça. Raphaël Cognier. Raphaël Cognier. Raphaël Cognier.
Raphaël Cognier. Raphaël Cognier. Raphaël Cognier. Raphaël Cognier. Raphaël Cognier. Raphaël Cognier. Raphaël Cognier. Raphaël Cognier. Raphaël Cognier. Raphaël Cognier. Raphaël Cognier. Raphaël Cognier. Raphaël Cognier. Raphaël Cognier. Raphaël Cognier. Raphaël Cognier. Raphaël Cognier. Oui, ça va. Raphaël Cognier. 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 Bulletin blanc. Raphaël Cognier. Un bulletin blanc. Raphaël Cognier. Raphaël Cognier. Raphaël Cognier. Merci. Merci, ma chérie. Alors, les résultats, 7 conseillers n'ont pas pris part au vote, 36 ont voté, suffrage déclaré nul 0, nombre de suffrages blancs 2, nombre de suffrages exprimés 34, la majorité absolue. Bien. Alors, M. Raphaël Cognier a obtenu la majorité absolue au premier tour de scrutin. Il est proclamé maire de Mantes-la-Jolie et immédiatement installé dans ses fonctions.
débarrasse. Madame, les dossiers, s'il te plaît, je vais tout laisser chez toi. Présidence à Raphaël Cognier, maire de Mantes-la-Jolie. La présidence de la séance du Conseil municipal. Merci Nadine. Bah écoutez, je vais rester debout. Merci Nadine d'avoir brillamment présidé ce début de séance. Merci à vous tous d'être venus assister à ce beau moment. Et je ne vais pas parler beaucoup parce que je suis très ému, mais je voulais vraiment remercier tous les Mantais qui ont voté pour nous dans un contexte qui a été un contexte extrêmement compliqué, une campagne très difficile pour moi, mais pas seulement pour moi, pour mes proches aussi, pour beaucoup d'habitants et pour tous les colistiers qui étaient sur ma liste et qui méritent un immense applaudissement. Vous me connaissez, je ne suis pas quelqu'un qui s'épanche, mais nous venons vivre une situation à Mantes, qui est une situation dont Nadine a parlé tout à l'heure et sur laquelle je ne reviens pas parce que tout le monde est au courant. Nous avons vécu un moment qui aurait pu être évité, que je n'ai pas souhaité, que j'ai traversé avec des hauts et des bas. Et si j'ai aujourd'hui l'écharpe de mer autour du cou, c'est parce que l'affection que m'ont portée les Mantais pendant toutes ces périodes ne s'est jamais, jamais, jamais démentie. Être maire, c'est une très belle fonction, c'est aussi une fonction extrêmement exigeante. Et je m'engage évidemment à respecter et à être le maire de tous ceux qui n'ont pas voté pour moi. Il y en a. Et une fois qu'on est ici, et je le dis aussi à mon équipe, nous sommes les élus de tout le monde. Et cette responsabilité nous honore, mais nous oblige aussi. Comme j'ai décidé de vous dire la vérité, je ne peux pas dire que j'ai de la rancune contre personne, ce serait mentir, mais j'ai décidé de regarder devant. Il nous attend un chantier colossal, et j'ai dit pendant cette campagne, que cette ville était une ville compliquée et que les risques de division étaient immenses. Il nous appartient collectivement de rassembler tout le monde. Mais je voudrais aussi que nous prenions ensemble ici, majorité, opposition si elle le souhaite, une résolution. Cette campagne a été entachée par un certain nombre de rumeurs ignobles contre moi, contre certains de mes colistiers, et que vu que nous sommes dans un moment de rassemblement, je suis prêt à les oublier, à condition qu'elles s'arrêtent, comme j'avais dit le 29 novembre, qu'il fallait que cette façon de faire de la politique s'arrête. Je n'irai pas fouiller dans les poubelles pour vérifier les agissements des uns et des autres. Comme je vous l'ai dit, j'ai décidé de regarder devant. Mais il est urgent que dans cette ville, les rumeurs colportées de bouche en bouche et qui, à force d'être colportées ou bien sur les réseaux sociaux ou bien par des personnes, deviennent des vérités alors qu'elles n'ont aucun fondement, tout le monde comprenne qu'elles sapent la politique et quelque part aussi une façon de vivre ensemble. Il est très important que la population fasse confiance à ses élus et que les élus puissent faire confiance à sa population. Et donc, personnellement, je m'engage à faire en sorte que nous vivions dans le climat le plus serein et le plus démocratique possible. L'opposition a des droits, ces droits seront respectés, comme je l'ai toujours fait d'ailleurs en tant que maire et en tant que président de la communauté urbaine, car il est normal que ceux qui n'ont pas obtenu la majorité des suffrages s'expriment. Mais les élus peuvent aussi faire des erreurs, je peux en faire, j'en ai sans doute fait, j'en ferai aussi sans doute d'autres, car comme je l'ai dit le 29 novembre, aucun élu n'a la science infuse, aucun élu ne peut prétendre avoir raison tout le temps. Mais quand elles arriveront, et elles arriveront de ma part,
ou forcément de celle de mon équipe, où il y a beaucoup de nouveaux, beaucoup de jeunes. Je demande aux Mantais de l'indulgence. Quand nous ferons des erreurs, ce n'est jamais pour nuire à Mantes-la-Jolie, mais c'est parce que nous aurons pensé à ce moment-là prendre les meilleures décisions. Cette tolérance envers les erreurs que les élus peuvent faire, cette bienveillance que vous devez avoir à notre égard et que nous devons avoir à votre égard, il faut la cultiver pour que nous puissions vivre tous ensemble. Je remercie tous les élus qui m'ont fait confiance au début de la crise. Ils sont très nombreux. Je ne vais pas tous les citer, mais évidemment, le nom d'Edwige et de Nathalie et de Nadine est l'un de ceux qui revient en premier, mais tous les autres aussi ont été là. Et puis tous ceux qui m'ont rejoint dans cette campagne, à un moment où il n'y avait rien à gagner, aucun avantage personnel, que des coups à prendre, et dont certains m'ont porté à des moments où j'avais moins envie d'y aller. Donc merci à vous. Merci de tout ce que vous m'avez apporté, donné. Et puis, merci aussi de ce que vous ferez pour Mantes-la-Jolie. Parce que, comme je vous l'ai dit plusieurs fois dans la semaine, le plus dur commence maintenant. Dès cet après-midi, je serai en salle des mariages pour un certain nombre de mariages. Dès cet après-midi, je serai sur le terrain pour vous retrouver. Et vu ce que j'ai traversé au cours de ces 8 mois, ce n'est pas une grossesse, mais presque. On peut dire que cette élection est presque prématurée. Mais en tout cas, j'ai décidé de me faire plaisir. Et me faire plaisir, ce qui me plaît le plus dans mes fonctions de maire, c'est d'aller vous rencontrer dans la rue, chez vous, et de faire du terrain. Et ben, je continuerai. Vous pouvez compter sur ma présence constante à vos côtés pour essayer de résoudre tous les problèmes que nous pourrons résoudre. Les élus ne sont pas des magiciens, ils ne peuvent pas résoudre tous les problèmes individuels ou collectifs, mais je vous garantis qu'on va essayer au Val-Fouré, à Gassicourt et en centre-ville. Cette ville est une ville qui peut se diviser, je l'ai dit, très diverse aussi. Nous avons 45 nationalités, 3 quartiers. J'ai dit pendant ma campagne que moi, je ne voyais que des Mantais. Quelles que soient les origines des gens, français de souche depuis 4000 ans, français de la dernière génération, venant du Sénégal, du Maroc, du Mali, d'Angleterre, de n'importe où, puisque comme je l'ai dit, nous avons 45 nationalités. Moi, je ne vois que des Mantais qui sont des citoyens français, qui votent et qui sont attachés à leur ville. Et les rencontres que j'ai faites pendant cette campagne, je ne les oublierai jamais. Alors nous sommes à votre service, nous allons continuer à l'être, et vous pouvez compter sur mon travail, ma capacité à fédérer, ma capacité d'écoute, pour, dans les mois qui viennent et dans les semaines qui viennent, être à vos côtés pour faire grandir cette ville tous ensemble. Merci et au boulot. Est-ce qu'il y a une demande de prise de parole ? Monsieur Kevarek. Madame, Monsieur, bah écoutez, moi aussi je suis un petit peu ému, je ne pensais pas, mais c'est vrai que je reviens m'asseoir au conseil municipal et je suis à la fois fier mais aussi conscient de la responsabilité que nous ont confiée les Mantais. Je prends la parole maintenant, car le printemps mantais est désormais représenté au conseil municipal par 2 élus. Ce rassemblement de gauche inédit a mené une belle campagne, trop courte. Je tiens à remercier les plus de 1000 Mantais qui ont voté pour nous. Durant cette campagne, nous avons rencontré de très nombreux habitants, sympathisants de gauche ou pas, qui nous ont dit être plutôt en phase avec nos idées et nos propositions, mais qu'ils préféraient voter pour une autre liste, celle de M. Cognet. Ils nous ont dit que leur priorité était surtout de mettre fin au système en place. Je respecte, nous respectons bien évidemment leur choix. Comme l'a écrit d'ailleurs dimanche soir un ancien poids lourd politique local, je cite, « Le peuple a toujours raison, c'est le principe de l'élection. » En plus, ça rime. Je tiens donc à vous féliciter, Monsieur Cognet, pour votre victoire et votre réélection au fauteuil de maire. Vous le savez, nous avons mené une campagne sur des idées, priorité à l'école, à l'éducation, au cadre de vie, à l'environnement,
mais aussi sur des valeurs autour de la justice sociale, la solidarité, la transparence, l'honnêteté et le respect absolu des règles et des personnes. Or, nous avons eu quelques inquiétudes à la réception du dossier de ce Conseil. Le non-respect, vous savez, du délai de 5 jours pour recevoir les délibérations, ou alors, par exemple, la présence d'un nouveau règlement intérieur sans que nous ayons pu en discuter avant. Nous aurions pu demander un report ou une annulation. Nous ne le ferons pas. Nous préférons penser que c'est une exception, la faute à la passation entre les deux équipes. Mais il est vraiment très important, vu le contexte de notre ville, de repartir sur de bonnes bases, saines, transparentes et dans le respect absolu des lois. Nous souhaitons également voir réinstaurer des relations humaines et sociales normales, apaisées, en interne, à la mairie d'une part, envers le personnel municipal qui a beaucoup souffert ces 9 derniers mois et dont il faut entendre les difficultés et les revendications légitimes, et en externe, vis-à-vis des habitants et des associations. Il faut réinstaurer un climat de confiance. Pour finir, nous vous invitons à tenir certaines de vos promesses, notamment deux d'entre elles que nous proposions également, l'audit complet et transparent sur la situation financière de la ville et l'arrêt de la bétonisation de notre ville et de la toute-puissance des promoteurs pour que notre belle ville garde son cadre de vie agréable et à taille humaine. Vous l'aurez compris, nous souhaitons, Audrey Allier et moi-même, être des acteurs actifs dans ce conseil municipal au service de toutes les Mantaises et de tous les Mantais. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Kevarec, pour votre prise de parole, respectueuse effectivement de la démocratie. Et je veux aussi profiter, non pas de ma réponse, mais de mon complément, pour remercier les services de la ville pour l'organisation rapide de ce conseil. Je crois que sur un conseil d'installation, nous avons la possibilité de convoquer en 3 jours. Mais vous avez eu raison, maintenant il faut regarder devant. Tout cela n'était pas prévu, y compris, je pense, ma victoire au premier tour n'était pas tellement le scénario qui avait été envisagé. Donc nous avons fait le maximum pour, même pas par moi-même, je vais vous dire. Donc nous avons fait le maximum pour faire en sorte que nous puissions commencer à travailler le plus vite possible. Et je vous redis que sur les propositions sur lesquelles nous sommes en phase, nous, évidemment, nous les respecterons, y compris les droits de l'opposition et l'accès à des documents, dès lors que la loi nous permet, évidemment, de le faire. Je pense notamment à la question des marchés publics qui est sensible dans notre ville. Alors, maintenant qu'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention, je vais faire lecture de la charte de l'élu local. Conformément à l'article 21L2127 du Code général des collectivités territoriales, je vais donner lecture de la charte de l'élu local inscrite à l'article L1111-1-1 de ce même code. Charte de l'élu local. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant d'entre les membres, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein duquel il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Je vous informe qu'avec le livret du conseil municipal, les élus ont reçu la fiche déclarative des élus. Je vous invite à la remplir et à la mettre au bout de la table pour que les services municipaux puissent les récupérer à la fin de la séance. Pour ceux qui ne l'auraient pas rempli, une fiche vierge vous a été remise sur table. Je vous invite à la remplir et à la donner au service assemblé en fin de séance. Alors, nous attaquons l'ordre du jour du Conseil municipal avec la deuxième délibération, qui est le renouvellement intégral du Conseil municipal et la détermination du nombre d'adjoints. La première délibération que nous devons voter ensemble est la détermination du nombre d'adjoints au maire. Le nombre d'adjoints au maire ne peut dépasser 30% de l'effectif total du conseil municipal.
La ville de Mantes-la-Jolie peut donc disposer de 12 adjoints maximum. Je vous propose de fixer le nombre d'adjoints à 12. Je vais mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Ne prennent pas part au vote ? Merci. La délibération est adoptée avec 34 voix. Maintenant que nous avons déterminé le nombre d'adjoints, nous pouvons passer à l'élection de ces adjoints. Je me permets de faire un petit rappel des modalités d'élection des adjoints au maire en vous faisant lecture des articles 21-27-7-1, 21-22-7, 21-22-7-2 du Code général des collectivités territoriales. Les adjoints sont élus dans les mêmes conditions que le maire. Le maire est élu à la majorité absolue. Si après deux tours, aucun candidat n'a obtenu de majorité absolue, un troisième tour est organisé à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le candidat le plus âgé est proclamé maire. Les adjoints sont élus au scrutin de liste. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Y a-t-il des listes d'adjoints autres que celles que va proposer la majorité ? Non. Donc, il doit y avoir sur table des petites fêtes vierges. C'est pareil que pour le vote. D'accord. Ok. Donc, pour ceux qui prennent part au vote, vous indiquez sur votre bulletin le nom de notre liste pour que nous, un nouveau cap pour Mantes-la-Jolie, pour que nous puissions élire, enfin, créer les 12 postes d'adjoints. Et on va demander à Clara de refaire circuler l'urne entre tous ceux qui prennent part au vote. Nous allons dépouiller, etc. Il y a un certain formalisme à respecter. On va constater que l'urne est vide. Alors, première adjointe au maire, en charge des affaires générales et de l'administration, état civil et élections, Edwige Hervieux. Deuxième adjoint au maire, en charge des affaires sociales, du renouvellement urbain et de la politique de la ville, Ibrahima Diop. Troisième adjoint au maire, à la culture, au patrimoine, à la transition écologique, cadre de vie, Jamila Elbelhaj. Adjoint au maire en charge de la jeunesse, de la santé et du handicap, Albert Persil. Adjointe au maire à la dynamisation commerciale, à l'événementiel et au tourisme et au stationnement, à l'occupation du domaine public, Nathalie Auger. Adjoint au maire en charge des sports, Karim Boursali. Adjointe au maire en charge de l'éducation, des affaires scolaires, de la cité éducative et de la petite enfance, Nicole Conqui. Adjoint au maire à l'urbanisme, à l'aménagement durable, au logement, à l'hygiène et à l'habitat dégradé, Fabien Corbineau. Adjointe au maire, aux seniors et aux anciens combattants, Nadine Vadou. Adjoint au maire, à l'emploi, à l'entrepreneuriat et à la ville numérique, Michael Borg. Adjointe au maire, aux droits des femmes et à l'égalité des chances, Emmanuela Doraz. Adjoint au maire à la vie associative et à la démocratie participative, Olivier Barbier. Merci, monsieur Kevarek, pour ce rappel. Effectivement, avant de voter, il vaut mieux savoir pourquoi on vote. C'est l'émotion. Tous ceux qui sont en phase avec cette liste d'adjoints inscrivent sur leur bulletin, et je vais le faire moi-même, merci, un nouveau cap pour Mantes-la-Jolie.
pouvoir de Marie-Claude. Bernard. Un nouveau cap pour Mantes-la-Jolie. 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 Un bulletin blanc. Un nouveau cap pour Mantes-la-Jolie. 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 On arrive au bout. Un nouveau cap pour Mantes-la-Jolie. 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 Un bulletin blanc. Un nouveau cap pour Mantes-la-Jolie. 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 Et un nouveau cap pour Mantes-la-Jolie. Un nouveau cap pour Mantes-la-Jolie. C'est la fin cette fois, merde. Un nouveau cap pour Mantes-la-Jolie. Et un nouveau cap pour Mantes-la-Jolie. 34 voix pour un nouveau cap pour Mantes-la-Jolie, 2 bulletins de blanc, donc majorité absolue. Je vais donc appeler les adjoints et les adjointes pour leur remettre leur écharpe. On va le faire ici pour que ce soit
bien visible. Sébastien, posez-les là comme ça. Alors, première adjointe au maire. Première adjointe au maire en charge des affaires générales et de l'administration, état civil et élections, Edwige Hervieux. Deuxième adjoint au maire en charge des affaires sociales, du renouvellement urbain et de la politique de la ville, Ibrahima Diop. Troisième adjointe au maire à la culture, au patrimoine, transition écologique et cadre de vie, Jamila Elbelhaj. Quatrième adjoint au maire en charge de la jeunesse, de la santé et du handicap, Albert Persil. Cinquième adjointe au maire en charge de la dynamisation commerciale, événementielle et tourisme, stationnement et occupation du domaine public, Nathalie Auget. Sixième adjoint en charge des sports, Karim Boursali. J'aurais pu le mettre à la sécurité, c'est aussi une de ses spécialités. Septième adjointe au maire en charge de l'éducation, affaires scolaires, cité éducative et petite enfance, Nicole Conquis.
Huitième adjoint au maire, en charge de l'urbanisme, aménagement durable, logement, hygiène, habitat dégradé, Fabien Corbineau. Adjointe au maire, aux seniors et aux anciens combattants, Nadine Vadou. Adjoint au maire, à l'emploi, à l'entrepreneuriat et à la ville numérique, Michael Borg. Adjointe au maire, aux droits des femmes et à l'égalité des chances, Emmanuela Doraz. Douzième adjoint au maire, à la vie associative et à la démocratie participative, Olivier Barbier. Je retourne à ma place le plus vite possible. Alors, merci à vous. Et j'ai décidé aussi de nommer trois conseillers municipaux délégués. Marc Dolinski sera conseiller municipal délégué en charge de la prévention. Clara Berman sera conseillère municipale déléguée en charge du développement durable. Et Reber Kubilé, pardon, sera en charge... conseiller municipal délégué en charge des finances et de la commande publique. Pardon, Reber, c'est l'émotion. Alors, nous allons passer aux délibérations, et notamment la délibération numéro 4 sur les indemnités des élus. Il est d'usage au premier conseil municipal que nous fixions les indemnités des adjoints et des conseillers municipaux délégués. Je vous épargne la lecture de la délibération, mais sachez pour votre culture personnelle qu'il est proposé au conseil municipal de désigner comme suit les fonctions bénéficiaires de ces indemnités, celles-ci étant exprimées en pourcentage de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, à savoir 29% pour chaque adjoint, étant entendu qu'ils seront 12, et 10% pour chaque conseiller municipal délégué, étant entendu qu'ils seront au nombre de 3. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur cette délibération ? Madame Allier. Alors. On va faire passer le micro plus loin.
Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, en préambule, un petit rappel, notamment pour le public qui nous écoute. Nous parlons bien ici d'indemnité aux élus et non de salaire ou de rémunération. Pourquoi verse-t-on une indemnité aux élus ? Le versement d'une indemnité d'un montant, bien sûr, raisonnable est le meilleur moyen de permettre aux élus de se consacrer pleinement à leur mandat et de résister aux éventuelles sollicitations illégales dont ils pourraient faire l'objet. Cela ne remet pas en cause le principe de la gratuité des fonctions. Cela permet juste à des personnes qui n'ont pas de fortune personnelle de pouvoir consacrer suffisamment de temps à leur mandat. Je ne vais pas entamer un cours d'histoire, mais je rappelle que pendant longtemps, l'exercice des fonctions électives a été réservé aux personnes qui disposaient justement d'une fortune personnelle et qui pouvaient donc se dispenser de travailler pour gagner leur vie et donc de dégager du temps pour l'exercice de leur mandat. Par la suite, avec le développement du suffrage universel et dans le souci d'égalité dans l'exercice du droit de chaque citoyen d'être éligible, de garantir aux élus les moyens de vivre dignement durant leur mandat et de pouvoir se consacrer pleinement à leurs fonctions. Aujourd'hui en France, le versement d'indemnités pour tous les élus, issus ou pas de la majorité ou de l'exécutif, n'est toujours pas acquis au niveau communal. Heureusement, de plus en plus de communes le mettent en place. Ce préambule, monsieur le maire, pour vous proposer, et j'englobe ainsi les délibérations 4 et 5, une plus juste répartition des indemnités à destination de tous les élus du présent conseil, plutôt que le versement d'indemnités à une poignée d'élus, tous issus des rangs de la majorité et de l'exécutif municipal. Cette répartition pour tous des indemnités symboliserait, monsieur le maire, votre respect du pluralisme politique au sein de ce conseil municipal. Elle acterait que vous considérez notre engagement à tous comme légitime. Par ailleurs, ces modestes indemnités de compensation permettraient à chaque élu autour de cette table d'honorer son mandat dans les meilleures conditions. Vous le savez mieux que personne, l'engagement qui nous est commun à tous implique quelques menus frais, et je pense particulièrement aux commissions qui pourraient éventuellement avoir lieu en pleine journée alors que la plupart d'entre nous travaillent. À notre sens, il est impensable aujourd'hui qu'un élu se voit empêché d'honorer correctement son mandat pour des causes financières, car effectivement, poser quelques heures ou une demi-journée de travail est une amputation potentiellement handicapante sur les salaires de chacun. Mais, et c'est aussi un engagement fort que nous avons, nous, à gauche, et qui devrait être partagé par tous ceux qui se réclament de la République, nous souhaitons que si vous répondez par la positive à cette proposition d'une indemnité pour tous, elle soit soumise à condition dans le cadre de la lutte de ce que l'on nomme les élus fantômes. Cette compensation financière devrait être donc modulée selon le travail effectif de chacun et pourrait être suspendue en cas d'absence injustifiée, notamment aux conseils municipaux et aux commissions auxquelles se seraient inscrits les élus. Nous avons bien sûr conscience que cette proposition nécessite une étude plus approfondie afin d'en préciser les modalités précises et que le Conseil ne peut donc pas l'adopter en l'état. Nous vous proposons donc de reporter cette délibération à un prochain Conseil, mais d'adopter ce jour le principe de l'indemnisation de tous les élus en fonction suivant les modalités que je viens d'énumérer partiellement. Si vous faites droit à cette proposition qui consacre la reconnaissance égalitaire et républicaine de l'engagement de tous les élus, nous l'adopterons bien entendu et nous apporterons notre collaboration au travail de mise au point du dispositif. Dans le cas contraire, nous voterons bien entendu contre la résolution que vous nous proposez. Merci Madame Allier. Pas de demande de prise de parole autre ? Alors, je suis en désaccord avec votre proposition, donc je vais maintenir cette délibération. Les adjoints et les conseillers municipaux délégués ont beaucoup plus de travail que les autres élus. Je le sais, puisque j'ai moi-même été élu d'opposition dans une ville pas très loin d'ici. Ils sont officiers d'état civil, ils ont des astreintes, ils sont beaucoup plus obligés de s'absenter de leur travail. Et vous avez raison de rappeler, Madame Allier, qu'il ne s'agit pas d'un salaire, mais d'une indemnité pour compenser les pertes de revenus éventuelles. Donc, je ne souhaite pas donner une rémunération à tous les élus. D'ailleurs, l'usage dans l'immense majorité des collectivités est que c'est le bureau municipal et les délégués qui sont indemnisés. Je vais donc maintenir telle quelle cette délibération. Je vais aussi la mettre aux voix, la délibération numéro 4. Donc, deux oppositions de M. Kevarec et Mme Allier ne prennent pas part au vote. Qui est pour ? Ah, donc 41 pour, 2 contre.
La délibération numéro 4 est adoptée. Nous avons ensuite une délibération numéro 5, un peu technique, sur les majorations légales des indemnités d'élus. La ville de Mantes-la-Jolie est dans la strate 20 000, 49 000. Elle est chef-lieu d'arrondissement. Les indemnités de fonction des élus peuvent donc être augmentées de 20 %. Par ailleurs, la collectivité étant attributaire de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, les indemnités de fonction peuvent être votées dans les limites correspondant à l'échelon immédiatement supérieur à celui de la population des communes visées par l'article 21-23-23 du Code général des collectivités territoriales. Ils ont donc proposé au Conseil municipal de voter les majorations comme précédemment listées. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur cette délibération ? Je la mets aux voix. Qui est contre ? Abstention ? Pour ? La délibération est adoptée. Frais de représentation du maire. Le maire peut recevoir sur décision expresse du conseil municipal des indemnités pour frais de représentation. Je rappelle que je suis le maire qui a décidé que l'histoire de ces frais de représentation soit votée en conseil municipal pour que chaque Mantais sache quelle est la somme qui lui est consacrée. Il s'agit d'une enveloppe maximale qui ne peut pas être dépassée. J'ai décidé de fixer cette indemnité de représentation à 13 000 euros par an, et ce, dans la limite de l'enveloppe budgétaire votée lors du budget primitif 2022. Y a-t-il des questions sur cette délibération ? Monsieur Cavarec. Je vais expliquer que nous avons voté pour saluer cet effort de transparence et saluer le montant raisonnable. Merci, monsieur Cavarec. Je mets aux voix cette délibération numéro 6. Y a-t-il des oppositions ? Abstentions ? Prennent pas part au vote. Elle est donc adoptée à l'unanimité. Délégation du conseil municipal au maire en vertu de l'article 21-22-22 du Code général des collectivités territoriales. Pour vous résumer cette délibération, il s'agit de pouvoirs que le conseil municipal choisit de déléguer au maire pour qu'il puisse prendre au quotidien les décisions administratives nécessaires. Tout le pouvoir du maire vient du conseil municipal. Mais il y a certaines décisions qui, évidemment, doivent être prises sans rassembler le Conseil. Et donc, la liste de tous ces pouvoirs est listée dans la délibération. Je ne vais pas faire beaucoup plus long parce que c'est d'un ennui certain, mais sachez que c'est pour permettre une bonne administration municipale quotidienne. C'est généralement une délibération qui fait l'objet d'un très large consensus. Y a-t-il des demandes de prise de parole ? Monsieur Cavarec. Un, deux. Oui. Du coup, alors non, nous on souhaite quand même s'arrêter dessus sur certains éléments, puisque le public n'a pas tous les éléments. On trouve que ces délégations sont un peu trop étendues, puisque l'instance décisionnelle est le conseil municipal, et du coup ça ne passera, hein, pour expliquer un petit peu, que dans ce qu'on appelle les décisions du maire, c'est-à-dire au début de chaque conseil municipal, on aura la liste de tout ce qui aura été pris entre les deux conseils. Donc c'est des listes où il y a 40 ou 50 décisions, et donc c'est quand même difficile de faire un travail et de pouvoir les analyser. Nous aimerions que ce type de délégation soit davantage limité. On a quand même, par exemple, des passations de marché sur des montants inférieurs à 1 million, ce qui n'est quand même pas neutre. On a également des demandes à des organismes financeurs jusqu'à 1 million pour l'attribution de subventions. Donc pour nous, c'est quand même des montants importants. Eu égard à l'importance de cet élément-là, on souhaiterait pouvoir reporter cette délégation assez large, et pour nous un peu trop large, pour la retravailler de manière un peu plus modeste. Merci, Monsieur Cavarec. Sauf erreur de ma part, ce sont exactement les mêmes pouvoirs que ceux qui m'avaient été délégués en 2020. J'avais considéré que c'était le bon échelon de délégation, puisque, comme vous l'avez dit, nous justifions toutes ces décisions au conseil municipal suivant leur adoption. Je vais donc maintenir telle quelle cette délibération, en m'engageant évidemment à rendre compte à chaque conseil sur les questions qui me seront posées. Mais honnêtement, dans une ville comme Mantes, pouvoir prendre des décisions quotidiennes au jour le jour et bénéficier de cette délégation est quelque chose de très important. Je vais donc mettre aux voix cette délibération numéro 7. Y a-t-il des oppositions ? Abstentions ? Très bien, elle est donc adoptée avec les 34 voix de la majorité, 7 abstentions et 2 contre. Ensuite, nous passons aux commissions municipales, création des commissions municipales et désignation de leurs membres. J'ai choisi de créer 3 commissions municipales. La première sera en charge des finances, de l'administration générale, de la sécurité et des relations internationales. La deuxième sera en charge de l'urbanisme, des travaux, de l'habitat dégradé, de l'environnement, de la culture et du patrimoine, du commerce, de l'artisanat et du tourisme.
La commission 3 sera en charge de la petite enfance, de la jeunesse, des affaires scolaires, du sport, action civique, affaires sociales, famille, emploi, santé, prévention, handicap et seniors. Par ailleurs, comme il s'agit d'une nomination, le vote pourrait se faire à bulletin secret. Toutefois, l'article 21-21-21 du Code général des collectivités territoriales nous permet de décider à l'unanimité de procéder à un vote public à main levée. Est-ce que quelqu'un est contre ? Pas de contre. Nous allons donc procéder à main levée. Je vous dis quels sont les membres de chaque commission. Commission 1, Edwige... Ah pardon, Madame Ali, excusez-moi. Oui, mais gardez... Voilà. C'est bon, je crois. Non. On va vous faire passer le mien. Et puis vous allez le garder comme ça. C'est bon. C'est bon. Monsieur le maire, cette délibération particulièrement complexe comporte 6 décisions. Nous sommes en désaccord avec cette délibération en l'état. Premièrement, parce que la réduction du nombre de commissions implique par nature une réduction du travail des élus sur chaque sujet. Travail permettant aux élus de tous bords d'échanger dans un cadre non contraint et que de ce fait, la préparation des délibérations soumises au Conseil risque d'être confisquée par l'exécutif qui s'appuiera sur son administration. La souveraineté du Conseil municipal est donc atteinte par cette réduction. Nous notons que nombre de communes, y compris moins peuplées, que Mantes-la-Jolie dispose d'une dizaine de commissions correspondant aux délégations des adjoints. Deuxièmement, parce que le mélange des missions confiées à ces commissions empêche tout travail sérieux. À titre d'exemple, comment mélanger au sein d'une même commission des thématiques aussi différentes et demandant des compétences aussi variées que finances, sécurité et relations internationales. Troisièmement, le document de modification du règlement intérieur proposé à nos suffrages ne permet pas de vérifier si d'autres modifications sont incluses à notre insu, puisque le règlement intérieur original adopté le 25 mai 2020 ne nous a pas été fourni et que compte tenu des délais qui nous ont été imposés, nous n'avons pas été en mesure de le vérifier. Nous voterons donc contre cette délibération en regrettant notamment le nombre de commissions réduites à 3. Nous pourrions éventuellement voter pour si vous vous engagiez vers la possibilité de retravailler notamment le règlement intérieur. Merci Madame Allier. Pas d'autres demandes de prise de parole. Alors, rapidement Madame Allier, j'ai été maire déjà, donc je connais le périmètre des commissions. J'avais moi-même envisagé, quand j'étais maire, de le réduire. La démocratie pourra proportionnelle au nombre de commissions. Ce n'est pas parce qu'on a plein de commissions que c'est plus démocratique. Donc là, j'ai choisi ce périmètre que je trouve cohérent, même si évidemment il y a des sujets différents dans chaque commission. On va le maintenir comme ça. Si jamais on s'aperçoit que c'est absolument intenable, évidemment, on le modifiera, mais ce n'est pas un engagement de ma part, c'est à l'usage qu'on verra que ça se passe. Et surtout, on fera attention pour que dans les groupes, enfin, comme vous n'êtes que deux, à caler les horaires pour que vous puissiez éventuellement assister aux commissions et qu'elles ne soient pas en même temps, etc. Donc on fera en sorte que l'opposition puisse venir et siéger en commission. Je considère pour ma part que la commission n'est pas le lieu le plus intéressant de la vie de l'élu. Mais par contre, pour l'opposition, elle permet de découvrir un certain nombre de choses. Donc je vais maintenir telle quelle cette délibération numéro 8. Nous sommes d'accord pour voter à main levée. Il y a donc deux oppositions. Madame Kévarec, Madame Allier. Monsieur Kévarec, Madame Allier contre. Y a-t-il d'autres oppositions ? Abstention ? Prennent pas part au vote. Elle est donc adoptée. Alors, commission par commission. Commission 1, Edwige Hervieux, Reybert Cubillet, Marc Dolinsky, Bernard Méry, Olivier Barbier, Graziella Devin, Rachid Haïf, Fatimata Camara, Moussa Keïta, Madeleine Garnier, Altaf Giffrage, Elvis Lefebvre, Amadou Daf, Guillaume Kévarec. Commission 2, Fabien Corbineau, Jamila Elbelage, Nathalie Auger, Clara Berman, Anita Amoa, Mariano Lawson, Nouria Ozadanir, Florent Gavarin, Dominique Ebiou, Michael Borg, Carole Philippe, Jean-Luc Santini, Guillaume Kévarec. Commission 3, Ibrahima Diop, Albert Persil, Karim Boursali, Nicole Conqui, Emmanuela Doraz, Nadine Vadou, Marie-Claude Berthelot, Ajar Moustakil, Amélie D'Acosta-Rosa, Armando Lopez,
Lila Hamri, Irène Leblon, Christelle Dubois, Ayette Morillon, Sidier Lemer, Audrey Allier. Nous avons donc adopté cette délibération numéro 8. La suite de l'ordre du jour, c'est la délibération numéro 9 sur la commission d'appel d'offres. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole sur cette délibération ? Alors, nous créons évidemment une commission d'appel d'offres, commission dont il a beaucoup été question pendant la campagne. Donc, on va essayer de faire les choses les plus pédagogiques possibles. La commission d'appel d'offres est également compétente pour rendre un avis sur tout projet d'avenant et sur les marchés à partir des seuils qui évoluent. 215 000 euros hors taxes pour les marchés de fournitures et de services et 5 382 000 pour les marchés de travaux. Elle peut aussi se réunir en format jury quand nous avons un certain nombre de décisions à prendre. Et l'objet de cette délibération numéro 9 est de créer cette CAO. Alors, il est à noter que l'élection des membres de la CAO sera ainsi effectuée au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec l'application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel. Vous n'avez rien compris, c'est normal, je vais vous la faire courte. La liste majoritaire a le droit à 4 sièges en CAO. La liste conduite par Jean-Luc Santini a le droit à 1 siège. Et la liste menée par Guillaume Kevarec et Madame Allier ont le droit à 0 siège. J'ai cherché à intégrer la liste de gauche dans cette commission d'appel d'offres en regardant s'il était possible de leur offrir, entre guillemets, un siège. La loi nous l'interdit. La composition est figée. C'est un scrutin qui se fait sur une liste figée. Je crois qu'on a le droit de voter à main levée là-dessus ou pas ? D'accord. Il est donc proposé au conseil municipal d'acter les modalités de liste suivantes. Elles ont été envoyées à la ville. Les listes devront préciser le nom et le prénom du candidat et sa fonction de titulaire ou de suppléant. Les listes doivent contenir autant de suppléants que de titulaires et les listes pourront contenir moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires suppléants à pourvoir si jamais, évidemment, pour pouvoir représenter l'opposition. Par conséquent, il est demandé au conseil municipal de créer une commission d'appel d'offres et de fixer les modalités de dépôt des listes comme présentées en amont. Délibération technique qui va ensuite nous permettre de voter la composition de la CAO. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur cette délibération ? Y a-t-il des oppositions ? Abstentions ? Prennent pas part au vote ? La délibération numéro 9, 8 est donc adoptée. 9. Alors, pour le CCAS, c'est la même chose. La délibération décide de fixer à 8 le nombre d'administrateurs du CCAS, le Comité communal d'action sociale. Outre le maire président, 4 membres élus au sein du conseil municipal et 4 membres nommés par le maire dans les conditions de l'article L123-6 du Code de l'action sociale et des familles. Le CCAS est un outil important pour une commune. J'ai eu à m'entretenir avec Guillaume Kevarec d'un certain nombre de demandes de sa liste pour représenter au moins une personne au titre des 4 membres nommés par le maire. Et nous ferons évidemment attention à ce que toutes les sensibilités soient représentées au sein du Centre communal d'action sociale. La délibération a donc pour objet de fixer à 8 le nombre d'administrateurs et de fixer les modalités des dépôts de liste. Délibération technique aussi. On peut la voter à main levée ? Petit temps mort. Donc je mets aux voix la délibération numéro 10. Y a-t-il des oppositions ? Abstentions ? Prennent pas part au vote ? Elle est adoptée. Commission d'appel d'offres. Nous avons voté une délibération technique qui nous permet de créer cette commission. Et maintenant, il nous faut voter sur les membres. Pas d'objection à ce que nous votions. Ah non, on ne peut pas voter à main levée. Sur les membres de la CAO, on ne peut pas voter à main levée. Alors, je vous propose pour la commission d'appel d'offres, en ce qui concerne la liste, un nouveau cas pour Mantes-la-Jolie, le nom de Florent Gavarin, Nathalie Auger, Nadine Vadou, Nicole Conqui, Edwige Hervieux. Là,
Alors, chaque groupe, entre guillemets, m'a passé une liste. Et nous allons voter individuellement sur chaque liste. En fonction du nombre de voix que recevra chaque liste, ce sera ces représentants, ces X représentants qui iront siéger en commission d'appel d'offres. Donc, pour la liste, à nouveau, cap pour Mantes-la-Jolie, je propose en commission d'appel d'offres Florent Gavarin, Nathalie Auger, Nadine Vadou, Nicole Conquis, Edwige Hervieux, et comme suppléant, Altaf Giffrage, Olivier Barbier, Marie-Claude Berthelot, Ibrahima Diop et Albert Persil. Je mets aux voix cette liste. Qui vote pour ? 34. Pour la liste Mantuni pour l'avenir, titulaire Elvis Lefebvre, Carole Philippe, Amadou Daf, suppléant Jean-Luc Santini, Christelle Dubois, Sidier Lemmer. Qui vote pour cette liste ? C'est noté. Pour le printemps mantais, titulaire Audrey Allier, suppléant Guillaume Kevarek. Qui vote pour cette liste ? Ça fait donc 4 membres de la CAO qui seront issus de notre liste. Donc Florent Gavarin, Nathalie Auger, Nadine Vadou et Nicole Conquis, et comme suppléant Altaf Giffrage, Olivier Barbier, Marie-Claude Berthelot et Ibrahima Diop. 1 membre élu pour la liste Mantuni pour l'avenir, Elvis Lefebvre, avec en titulaire Jean-Luc Santini. 0 membre pour la liste Printemps Mantais. C'est bon pour la délibe, il faut en plus la mettre au voix. D'accord. Donc nous avons élu les membres de la commission d'appel d'offres. Je précise que je ne siégerai pas dans cette commission d'appel d'offres comme je ne siégeais pas lors du précédent mandat et que je désignerai lundi Bernard Méry, dont la probité, je crois, est unanimement reconnue, pour me remplacer et présider cette commission d'appel d'offres, charge à lui d'organiser les travaux de la façon la plus transparente et la plus simple possible pour que toutes les informations légales que nous pouvons transmettre à tout le monde puissent être transmise et faire en sorte qu'il n'y ait plus aucun doute sur la moindre attribution de marché public à Mantes-la-Jolie, puisque, comme je l'ai dit, ça a été un sujet important de la campagne, puisque même quand je ne siégeais pas en commission d'appel d'offres, on m'a accusé d'attribuer des marchés j'aurais attribués à des amis. Fin de la parenthèse, monsieur Méry, vous avez toute ma confiance pour mener les travaux de cette commission et faire en sorte que ces rumeurs cessent définitivement. Alors, nous passons ensuite à l'élection des administrateurs du CCAS. Alors, c'est un vote à bulletin secret, donc il va falloir faire un petit peu de passage. Vous avez sur vos tables les listes qui correspondent aux différentes listes qui sont présentées aux élections municipales. Et nous allons demander à Clara Berman d'aller chercher l'urne et de la faire circuler. Cette fois, tout le monde va participer au vote. Et Nadine, tu n'oublies pas que tu as 2 voix puisque tu as le pouvoir de Marie-Claude.
Alors, la liste, un nouveau cap pour Mantes-la-Jolie, 33 bulletins. La liste Mantuni, 7 bulletins. La liste Printemps-Mantais, 2 bulletins. Nous avons un bulletin nul, puisque il y a eu visiblement une erreur sur un bulletin. Quelqu'un qui a mis un nouveau cap sur Mantes-la-Jolie, mais ce n'était pas le bulletin qui était prévu à cet effet. Donc, ça fait 3 membres élus pour la liste un nouveau cap pour Mantes-la-Jolie et un membre élu pour la liste Mantuni. Seront donc titulaires au CCAS pour Ibrahim Adiop, Marie-Claude Berthelot, Nadine Badou pour la liste un nouveau cap pour Mantes-la-Jolie et Ayane Morillon pour la liste Mantuni. Alors, nous avons élu nos membres au CCAS et il nous reste 2 délibérations rapides. Nous renouvelons aussi nos membres dans les conseils d'école, puisque c'est la fin de l'année, les conseils d'école vont avoir lieu et il était important que nous puissions désigner nos représentants. Alors, je vais devoir vous lire un petit peu de façon fastidieuse pour ceux qui ne connaissent pas bien toutes les écoles de la ville. Nos représentants aux anémones, Anita Amoa, au Bleuet, Fabien Corbineau, au Campanul, Ajar Moustakil, au Capucine, Olivier Barbier, au Clématite, Florent Gavarin, au Gentiane, Jamila Elbelage, au Glycine, Graziella Devin, au Jonquille, Nouria Ozadanir, au Lavande, Emmanuel Adoraz, au Mimosa, Nadine Vadou, au Myosotis, Marc Dolinsky, au Pensée, Armando Lopez, au Pervenche, Rachid Haïf, au Prime Vert, Lila Amri, au Rose, Dominique Ebiou, au Tulipe, Fatimata Camara, au Violette, Irène Leblon, et Albert Uderzo, Albert Persil, Hélène Boucher, Bernard Méry, Ferdinand Buisson, Nouria Ozadanir, Gabriel Colette, Lila Amri, Pierre de Coubertin, Graziella Devin, Jean-Yves Cousteau, Ajar Moustakil, Louis Lachenal, Reber Cubidé, Jean Mermoz, Fatimata Camara, Claude Monet, Karim Boursali, Jean-Jacques Rousseau, Florent Gavarin, Madame de Sévigné, Marie-Claude Berthelot, Jules Verne, Moussa Keïta, Louise de Villemorin, Ibrahim Adiop, Albert Uderzo, Albert Persil, Marie Curie, Madeleine Garnier. Dans les écoles primaires publiques, Louis et Auguste Lumière, Altaf Giffrage, Henri Matisse, Michael Borg. Et dans les écoles privées sous contrat, à Notre-Dame, Amélie d'Acosta et à Eva de Vitré, Nathalie Auger. Je mets aux voix cette délibération de désignation. Y a-t-il des... Monsieur Kevarek, pardon. Très bien. Y a-t-il des oppositions ? Abstentions ? Ne prennent pas part au vote ? Merci. La délibération est adoptée. Chers amis, nous touchons au bout. Il nous reste une dernière délibération simple. C'est la dématérialisation des conventions des livrets de séance du conseil municipal pour que nous puissions vous convoquer lors du prochain conseil municipal, non pas à l'ancienne, avec un employé municipal qui fait le tour de toutes les maisons, de tous les conseils municipaux, mais tout simplement par email, et pour éviter d'abattre une forêt à chaque fois que nous nous réunissons. Je pense que ça devrait faire l'objet d'un large consensus. Y a-t-il des oppositions à approuver la démarche générale de dématérialisation des séances du conseil municipal et le cas échéant des autres instances municipales ? Opposition ? Abstention ? Ne prennent pas part au vote ? Merci, elle est adoptée. Je termine, chers collègues, ce conseil municipal en remerciant tous les agents municipaux qui se sont mobilisés depuis ma démission, pour continuer à exercer le service public avec efficacité et pour organiser ce conseil municipal qui s'est fait au pied levé, et notamment la première d'entre eux, Rokia, qui a eu une semaine chargée. Donc je propose que nous les applaudissions tous. Et je n'oublie pas, évidemment, les 3 DGA, Thibault, Gwen et Laurence, auxquels j'adresse aussi mes plus sincères remerciements. Ce conseil est terminé. Nous allons, les élus, faire une photo dans le square Brieussel. Donc, s'il vous plaît. Alors, il faut remettre au service assemblée les fiches déclaratives et notices individuelles, signer le parapheur, le procès verbal de séance que nous devons envoyer au contrôle de légalité, notamment les assesseurs, voilà, et le secrétaire de séance. Nadine et moi, et dès que nous aurons signé ça, nous nous rendons dans le square Brieussel pour faire une photo. Donc, s'il vous plaît,
Ne faites pas de photo tout de suite avec les élus. Nous allons aller faire cette photo. Et ensuite, à l'issue de cette photo, un apéritif vous est offert par la municipalité au pavillon Duhamel. Voilà. Merci de votre présence, Monsieur Kevarek. Non, on n'a pas encore la date du prochain conseil municipal, Monsieur Kevarek. Je vous remercie de votre présence nombreuse dans le public. C'est un moment important de l'histoire de notre commune. Et je vous remercie d'être venus aussi nombreux. Nous avons même des très jeunes auditeurs dont j'espère qu'ils se passionnent déjà pour la vie publique. Mais en tout cas, votre soutien et surtout ceux qui sont venus de loin. J'ai vu aussi quelques collègues maires et collègues désormais que je salue particulièrement. Mais en tout cas, merci de votre présence très nombreuse. Ça nous conforte dans l'idée que nous sommes dans la bonne direction. Merci.